Hook direct. Oh la tristesse. Oh nice. Moi ça. Ce qui est bien, alors le trash a complètement fail, mais ce qui est bien c'est que l'auto-attaque qu'il a mis, il l'a pas mis quand il était dans le bush, du coup ils m'ont pas vu et ça m'a permis de mettre le Q-spell sur Karma qui la condamne. Nice. Oh là là, Lucien perd une énorme wave là-dessus. Well played. Je peux la kill. On dépouche la lane rapidement. Un ennemi a été tué. Nice, on a pas besoin de kick. Fin du game pour ce Graves, est trop bien. Heureusement pour lui qu'il a farmé son topside avant de faire ce move. Hein. Dommage, c'est Karma que j'ai touché avec le Q-spell. Ça aurait été Lucienne, c'était un double kill. Sauf que si je tue pas Lucienne, je peux pas les 2v. Hein. Frère, je joue pas de le caisse, mais là. 15 bleus de tour. Faut pas le laisser walker. Non ? Allô ? Pourquoi c'est en train de se passer ça ? Ils sont en train de démonter la top lane en fait là. Un allié a été tué. Ah bon bah tant pis, bon, on va laisser le first blood de tour alors. C'est stupide hein mais. On va voir. C'est sa parade. Ou pas, on s'est appelé nous-mêmes. Vite le dash! Oh non, j'ai troll! Ah, il troll! So much! God! En fait, ça m'a surpris qu'elle fasse pas sa parade après mon dash ward en fait. Non! Et après, j'ai hard miss le Q. Ah non! C'est la partie de Lee Sin qui me fait mal. C'est que bah je suis rouillé dessus. Ah non! Ah après bon ça va, ça commence à revenir petit à petit là-dessus. On a mis deux flashs pour ça, mais on a forcé le flash de Fiora et on l'a tué. Donc c'est un super taf. Ça c'est à moi. Fiora et bot. Oh le monstre. Nice, let's go man. Bon, ton Nashor avec le Rise ça va être chaud là. On a une rédemption ou... C'est tout ce qui va. Oh what? Elle a déjà son ulti. Bon elle meurt mais oh putain. Mec j'aurais la fight Kennen il y a quoi? Il y a même pas 30-40 secondes et elle a déjà son ultimate. Il y a une armée de ward ici. Ce
qu'il nous manque. Après, on va pas tarder à récupérer les ultimates, mais. Et si on les a pas tout de suite. Sur Lucienne. C'était un bon kick, mais pas si bon que ça, parce qu'il n'y avait pas de quoi follow-up instantanément dans notre équipe. Oh, la flèche, je Putain, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas eu de follow-up, parce que c'était un bon kick, mais j'ai juste mal évalué le potentiel de follow-up de mon équipe. Ah, my bad. C'est bon. Mourir à un moment quand même, vas-y Cobalt. Fiora les a démontés. Ah fait chier, il pouvait... le Ziggs pouvait pas prendre la lanterne, c'est dommage. Faut que tout le monde survive. Oh nice, il lui a pas cancel le dragon des airs et les mobis. Si la smoke screen de Graves touchait là-dessus, c'était la crise. Wow. On va rentrer à pied hein, écoutez. Nice putain. Ils ont 45 secondes sans ADC avec deux inhibiteurs down. Oh dommage le charme. Oh. Ok, il y a plus de varié. Nice, c'est un troisième inhibiteur ça. Ça va les zoner suffisamment longtemps pour qu'on puisse prendre ça. Ça se tentait, ça se tentait. C'est pas bon, faut vraiment reculer. Ok, j'ai la GA, c'est bien le temps. Oh, j'avais pas de ward, dommage. Si j'avais une ward, je faisais l'autre play. Oh merde, le Ziggs il a mis un de ses peurs ce dragon. Oh, j'arrive pas des bons. Je vais back. Parce que je pense que Thresh et Ziggs ils se font. Je pense qu'ils se font 2v1 par la Fiora. Oh what? Ouais nice, il a trouvé Ryze, le monstre. C'est pas le truc pour lui. Putain de monstre, c'est horrible. Après ça va, on permet à notre équipe de prendre tous les inhibs, mais... Fior, c'est dégoûtant. Allez, le Q, on met les... Il n'y aurait pas du back, ouais, mais le truc c'est qu'en gros on avait pas l'info sur Fiora. Le truc c'est que si Fiora continue à push, faut que je sois, là pour défendre. Oh oui, nice. Enfin, les monstres. Enfin, Fiora c'est un délire. Hein. La Fiora elle seule, elle a tellement tenu la game. Oh là là, God bless. Soaz et la Rila Taco Boy. Soaz et Taco Boy, putain.
tellement les salvateurs de cette game. Elle était compliquée pour moi celle-là. Elle était très complexe. Mais ça va. Après en vrai tu vois, je l'aurais perdu. Je l'aurais perdu, franchement je l'aurais mérité. Parce que le misplay que je fais sur Fiora au top, bah c'est la raison pour laquelle la game est si complexe, tu vois. Parce que c'est vraiment ce qui lance Fiora dans la game. Et ça serait jamais arrivé, la game aurait dû être beaucoup beaucoup plus simple. Donc même si on la perdait, j'aurais pu en vouloir qu'à moi-même, quoi. Mais bon, nice. On la gagne au final, Harry était trop forte et Soaz a fait top.